On demande aux jeunes que ce n'est pas la ville qui paye, ou bien que ce n'est pas le gouvernement qui vous donnera tout. Vous êtes là, vous voulez les bureaux clémentisés, vous voulez les bureaux s'asseoir là-bas, draguer les femmes, s'asseoir là-bas, jacaporcer entre vous, s'asseoir là-bas. Tous ceux qui comptent seulement sur le gouvernement, là, à un moment donné, le gouvernement m'a compté sur vous. Hein. Je suis un consommateur agrégé. Mais ça ne m'empêche pas d'être au village pour faire mes cultivations. Voici dans le champ de choux. Aujourd'hui, je vais faire peut-être 17 sacs de choux. Qu'on va manger qu'au Gabon. Je cultive chez nous à l'épaule et ça se mange au Gabon. On va dire que les influenceurs et les influenceuses ne font rien. Cultivez, travaillez, prenez de la peine. Laissez le gouvernement tranquille. Aidez le gouvernement à s'en sortir. Ne les aidez pas, ne les critiquez pas seulement chaque jour. De là, ils font les bêtises, on connaît. Ils font parfois même le bien et ça se perd dans les bêtises. Parce que ceux qui font les bêtises sont plus nombreux que ceux qui font le bien. Alors, pour ne pas te mélanger dans la bêtise, il faut retourner au champ. Hein? D'abord, la ville est saturée. Saturée partout, il y a des maisons jusqu'à. Passe à Douala, va le voir. Quelqu'un chute chez lui, ça passe au salon de l'autre point. Le torrent transporte, ça traverse le salon. Jusqu'à, tu vois comment ça te prend le garde-boue comme ça avant de traverser. Vous êtes coincé là-bas. Ça vous coûte quoi de venir au village? Mon petit bonsoir, aux arbres, dans les montants. Connais-t-il tout le monde? Laisse-moi finir mon travail. Va faire ta part. Apprenez, le sol paye. Les influenceurs, les influenceuses là, avant d'influencer l'influence, influencez vos champs avec les semences, influencez vos régions. Ne restez plus seulement coincés dans les villes alors que le village est périlleux à personne. Venez cultiver, et vous allez trouver qu'il y a le miel dedans, surtout quand les récoltes s'y prennent comme ça. Avant que j'ai enlevé 17 sacs, on a coupé ici. Voilà maintenant 11 sacs qu'on enlève, et dans ma consommation, je mange moi mes 6 sacs, je vends un, je ne perds rien. Je vais aller les employés, coupe vite mon tête. Tu auras une permission aujourd'hui pour aller au funérail, il n'y a pas de souci, coupe vite. Mayo pensé au Golukuya. Golukuya, frère. Ah, Golukuya, c'est le travail qui paye, la terre ne manque pas.